C'est rigolo. Ah, what the fuck. Ok, il y a une taupe ou je ne sais quoi. Le bousier. D'accord. Ok, bousier, très bien. Ouais, il lâche des bouses évidemment du coup. Okay, pour l'instant ça va. Ah quoi, il y a les bouses qui sautent partout, hein, qui rebondissent. On sent la mauvaise embrouille après. Voilà, et quand il va commencer à en lancer trop, ça va être le bordel. C'est déjà le bordel. Oh là là, il saute en plus. Est-ce qu'on peut casser les boosts? J'ai pas réussi. Peut-être, mais j'ai pas réussi. Il va sauter. Ça a pris. Ah, on peut les faire rebondir les boosts, mais on peut pas les casser. En tout cas, pas en un coup. Oh là là, il est en mode vénère. D'accord. Calme-toi. Bien relou à toucher. Par contre, on a des chances de soigner là. Ça, c'est top. Voilà, il va lancer 1000 bouses. Putain, je vais dedans. Bien joué. Merde, con. Putain, mon col. Doma. Il est content. Bim. Allez. Wouah. Écu du défenseur, qu'est-ce que c'est? Pour 1, un charme unique offert par le roi à son plus fidèle chevalier, il est rayé et sale mais fonctionne toujours. Permet à son porteur de dégager une odeur héroïque. Ah, ça a l'air nul à chier. Ça a l'air d'être inutile. Ah mais je dois aller où? C'est pas clair. C'est pas très clair, on va monter parce que c'est... on a quand même battu le boss, on a débloqué ça. Ah mais c'est juste on active quelque chose, d'accord. Ah, on pompe l'eau. Ça y est, on va pouvoir nager dans l'eau, dans l'eau propre maintenant. Très bien. Enfin, je suppose hein, que c'est une histoire de propre. Ah mais on est revenu à l'endroit où j'étais paumé. Oui, j'étais tout paumé ici, j'avais fait toute la remontée. Donc on va faire la descente et je vais essayer de retrouver mon chemin. Ouais, il y avait le tram et tout là. Ok, eux c'est deux shots maintenant. C'est cool. Sauf que je sais plus où j'étais allé moi, bien joué. Maintenant je m'en rappelle plus. Je pensais pouvoir découvrir la carte avant mais... je vais me faire baiser. Parce que là j'ai pas la carte. Est-ce que j'étais allé en bas? Oui, là j'avais cassé des trucs. Là c'est 100%, on est perdu. Hein. Là j'avais aussi ouvert, bravo. Rappelle-toi bien de ce que tu fais. C'était il y a au moins 20 minutes. Comment voulez-vous que je suis... Ah oui, c'est ça. Et on ne pouvait aller en bas et je suis pas allé en bas. Ok, c'est bon, je me rappelle. Voilà, et là, là c'est nouveau. Là, j'ai rien fait. Et il y a le mec des cartes. Et ben voilà, j'aurais dû aller là direct. On l'entend.
Il est là. Mm-hmm. Oh, oh, oh. Celle-ci sent d'anciennes cavernes. Ne pouvez-vous pas sentir le poids du royaume qui repose sur elle? C'est définitivement une chose très lourde. Je pense que très peu ont réussi à atteindre de telles profondeurs. Vous et moi sommes des pionniers, du moins dans l'histoire récente. Oui, je vais acheter la carte. Merci. Alors, tout à droite, il y a un truc. Il y a un banc à gauche. On va aller voir le banc. Pour sauvegarder les nouvelles zones qu'on a découvertes. Et j'ai pas la carte du... Oh putain, mais quel con. J'ai pas chopé la carte des égouts, là. Enfin, où, genre, c'est les égouts. 150 le banc. Ouais, bah allez. Hein. On va le prendre, quand même. Hop, et voilà. Comme ça, on a la sauvegarde et on a mis à jour notre carte. Je vais là, hein. Je sais pas ce qu'il y a, mais j'y vais. Ah, c'est bon. Le jeu est sympa. Il nous a pas trollé. On peut pas monter, là, on est d'accord. Rien là. Ok. Ouh là là, j'aime pas quand il y a des chutes comme ça. Et des gens qui s'en vont. L'argent. C'est bien d'avoir un petit peu d'argent quand même. Je commence à être un peu en galère de thunes. Oh! Ça, si je fais que ça, ça va. Bon, il faisait que ça, visiblement. Débile. Qu'est-ce qui branle? Ah merde, là il y a la version en haut, donc lui on peut pas le toucher. Donc c'est juste de l'esquive. Mais arrête de te prendre les pings. Terrible. Point, 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 point. Là. Ouais, ça c'est casse-couille. Putain, mais je fais nain pour pouvoir esquiver le truc en haut, du coup je me prends les pics. C'est bon. Par contre, il nous regène le soin à fond, donc ça c'est cool. Hein. Donc on a le droit de prendre des coups. Petite bête, décidément, que des petites tourelles comme ça là. Tant qu'ils font leur vie, ça me va. Oula, il y en a vu un espèce de fantôme. Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? What the fuck? Ah merde, je suis bloqué. Toutes les petites merdes avant que ça aille dedans. Hein. Peut-être que ça a une incidence. Vaisseau corrompu. Pour l'instant il fait rien. Ouh, il fait rien direct, il me fait chier. Ouh, attention, il fait mal en plus, j'ai l'impression. Ok. Aïe, aïe. Méfiance quand même. Qu'est-ce qui branle?
a le temps de se soigner pendant cette phase. Putain, mais je suis nimp. Putain, je dash dessus. Bien joué. Ah, là, le décès. Parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait absolument n'importe quoi. C'était un peu loin, mais je sais où c'est, donc c'est bon. Surtout, faut se refaire tous ces glands là, en fait, c'est ça qui est chiant. Et bon, ça fait du pognon. Il y a juste lui là qui casse couille. Lui ça va, on prend pas trop de coups. Donc on va pouvoir aller re-affronter ce boss. Et surtout récupérer l'âme. C'est que vers le haut. Hein. Et là à gauche. Tiens, tiens, on l'entend. Elle est où? Là. Ok. On va quand même relancer le fight. Hein. On va pas se passer de ça. Ah là là, ok. Soigne-toi. Oh, j'avais pas vu cette attaque là. Nickel. On le bourre un peu. Putain, je suis con. C'est pas possible ça. Bon ça va, on était pas loin de la fin en fait tout à l'heure. Du coup on ouvre par là. Pam pam. C'est bien joli mais bon. Oh. Un nouveau pouvoir? Aile de monarque. Appuie sur A tout en étant dans les airs. Pour battre des ailes, utilisez ces ailes terrestres pour passer au-dessus des ennemis et découvrir de nouveaux chemins. Double saut donc. Ok. Ah c'était rentable. Le double saut. Ah ça va être confortable ça. Il y avait beaucoup d'endroits qu'on pouvait pas aller voir. Hein? Symbole des rêves, ça. D'accord, ça m'a TP là. Le TP dans le monde des rêves. Ah merde! Rematch. Il y a rematch. Putain, mais tu es sérieux, là? Putain.
Putain, mais quand je suis en train de me soigner, ça fait pop les mecs. Ah putain, mais il pop dans tous les sens en plus maintenant. Les casse-couilles. Je peux pas, j'ai pas le temps de me soigner avec ces conneries là. Putain, mais voilà, il y a l'autre gland là-haut, bordel. Salut la pune. Ah, mais j'ai pas besoin de récupérer mon âme en faisant ça. Bon, on y va direct. Et du coup, est-ce qu'on peut genre tricher maintenant qu'on connaît le chemin? Ah oui. Merde. J'ai voulu faire le malin. Ok, donc le rematch, mais attention. Il est en mode un peu vénère quand même. Et surtout lui là, qui me casse les couilles. Enfin eux, parce qu'ils sont, ils pop tous à l'infini là. Bien relou. Et là du coup j'ai jamais pris le temps de me soigner alors que je l'avais. T'es sérieux là? Putain, mais il y en avait un en haut. Quelle bande de bâtards. Ok, il est plus vénère en phase 2. Et surtout, la version rêve qui fait mal. Il faut que je me soigne au lieu de bourrer. Mais quel mongol. Mais arrête. Oh là là, pour bien commencer le fight ça. Tout ça pour gagner 10 secondes. Et les perdre parce que de toute façon les pics ça fait l'animation. Ok. Putain, ce saut là il est casse-couille. Ok, donc on va prendre le temps de se soigner. Putain mais je me fais bourrer le cul. Ah oui, mais je les vois pas, les autres fantômes de merde, là. Bon, là, j'arrive dans un fight avec 4 pev, donc on va arrêter les conneries. Et faire ça bien. Donc là, on sait que c'est ici. Voilà. Voilà. C'est bon, ça c'est quand même plus propre. On arrive avec tous les PV. C'est bon. Ah, il saute souvent. Attention. Attention. Putain. Bâtard, mais qu'est-ce qu'ils sont relous ceux-là? C'est limite plus eux qui me font chier maintenant dans le fight. Enfin limite non, c'est une certitude, c'est eux qui me cassent les couilles. Et là il me... j'ai pas rêvé hein, il était pas là, il m'a pop sur le cul. On va y arriver. En plus, on perd pas notre âme, donc on s'en fout.
Ça commence bien. Deux fois. Trois fois. La foule baise. Arrêtez-vous. J'essaie de taper en l'air. C'est nul. Tout ça est très nul. Pas de soucis. Faut être plus solide sur les esquives. Bien clear les fantômes de bits. Bon, on peut les appeler les fantômes, mais je sais pas ce que c'est. Dans le fantôme. Ok, je sais pas si ces phases là elles sont faites pour taper ou pour soigner, mais je la prends pour le soigner. Ok, j'ai mis un coup de soin de trop, mais on est quand même pas mal au niveau des pèves. C'est ok. Putain. Merde. Vite merde. T'es sérieux? Oh là là, bite! Putain! Bon, c'était mieux quand même. Là, en se concentrant un peu, c'était mieux. Il a plus de vie, hein. Peut-être que je devrais pas soigner et taper pendant que je peux qu'il est stun. Je vous avoue que je suis pas super serein. J'utilise jamais ma magie pour autre chose, donc je pourrais aussi faire quelque chose avec ça. Quoi? Quel bâtard. Putain, mais ces phases, ces sauts là, à chaque fois je me fais baiser. Ok, c'est dommage, j'aurais pu me soigner s'il n'y avait pas eu ce fantôme de pite. Quand il saute, faut vraiment faire attention. Bordel. Aïe. Aïe. Confions. Je sais qu'elle a un soin de plus. Là, je peux en mettre un.
Putain, je l'ai tapé alors que j'étais dans la phase où je pouvais me soigner. Là, je suis en mode sac à merde. Je vous déteste les fantômes. Hein. J'espère que vous le savez. Ah, ça, ça a fait plaisir. Un combat là où on galère. Tous les autres fights, boss fights, ça a été. Là, c'est les sales ambiances. Ah non, il y avait l'araignée nulle aussi là où on a galéré. L'araignée qui était bien casse-couille, l'araignée. Putain, il m'empêche de me soigner, sale con. Tome de bite. Là, je peux en mettre deux. Non, parce qu'il me pop juste au-dessus, ce bâtard. Nul, pas solide sur les esquives. Oh, ok, il m'a fait le dash, j'ai été surpris. Non mais pas tard. Putain. Salut Magix. Bienvenue sur le fight de la galère. Même l'araignée, on n'avait pas autant galéré au final. L'araignée c'était long surtout, mais là c'est également compliqué. Phase sans perdre de PV, ça c'est top. Et du coup je me fais toucher juste derrière. Sur du cadeau. Allez, là j'ai un soin. Au moins. Là, j'ai tapé alors que j'avais une phase de soin, peut-être. Oh là là, et là, je me fais pour essayer. Ok. Faut essayer de rester plus propre que ça. Ça, c'était joli. Pourriture. Doom.
Mais non! Juste parce que je me retourne, je me fais baiser. Ok. Putain. C'est possible ça. J'ai quand même réussi à caler un soin, c'est cool. Trop lent pour vouloir tuer l'autre gland là-bas. Partel. Et salut Neg. Knight. Mate. Un peu de mal avec le lit. Hello. Le knight. Pim, 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 pim. On était pas loin là, je suis sûr. Hein. J'adore quand ça commence comme ça. Direct les ambiances. Ok. Et retourne-toi. Je vais taper le fantôme. C'est bon. En fait, faut vraiment focus les fantômes qui cassent les burnes. On peut peut-être profiter un peu plus de phase de soins. Genre là. C'est une phase de soins. Ok. C'est pas clair, des fois il fait des petits sauts, des fois il fait des grands sauts. Des fois les fantômes nous popent dans le cul. On adore. On dirait on dirait Beethoven. Tain, 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 tain. Ouais, on dirait clairement Beethoven. Et oui, je connais cette symphonie, mais c'est surtout grâce à Crost. Souvenez-vous, Crost avec Karim Debbache. Putain, mais je fais nimp parce que je suis en train de raconter ma vie. Avec Gilles Stella qui chantait. Qui rechantait Johnny Hallyday, qui lui-même chantait Poème sur la 7ème ou je sais pas quoi. Ou sur la je ne sais combien 7ème. Là j'ai un soin de plus, nice. Je vais essayer qu'elle est doublée. Je le teste. Fantôme de merde. Tiens. Ça a vraiment existé? C'était ça. Crost, oui, voilà, Crost, putain. C'est bon, ça vous rappelle les trucs. Par contre, arrête de te faire bourrer s'il te plaît. C'était bien, Crost. Chroma aussi, c'est fini. Hein. RIP. Ah, oh, je lui ai cassé le cul. Il était temps. Bim. Allez, alors, sac à merde. Hein. Bim. Désolé, hein, je vais dire. GG, thank you. Thank you. It was hard. C'était compliqué. On a galéré. Je parle anglais parce que je sais pas. Le mec a dit hello. Voilà. Désolé. Ah oui, on... Ah oui, je suis passé de 20 petites âmes à 400. 420. Donc effectivement, sympa. Ah, c'est Ikea. Ah bah là, très sympa même. Alors, on va aller à droite, parce que je pense qu'on a fait le tour à gauche. Ça, c'était sans doute beaucoup d'annexes.
Mais l'autre, là, elle voulait nous améliorer notre... Oui, c'est mieux si je me prends les piques. Elle voulait nous améliorer... Le clou, je sais pas quoi, si on lui ramenait 200 âmes, bah maintenant que j'en ai 400, c'est ok. Hein. Regardez, mais il vous pop sur le cul, hein. Ça c'est terrible. Y'a pas une astuce là? Voilà. Hein? Mais y'a rien. Ah, mais si. Non, ça c'était pas terrible. C'était pas ça la bonne info. Ça va, et toi? Un peu de Hollow Knight. Il est un peu tendu ce saut là. Hein. On est censé faire ça? Oui. Ça passe. Et on le libère. Mais casse-toi! Ok, on a libéré un poteau. Là, il y a les pognons. Pourquoi pas ramasser un peu d'argent? Parce que je commence à être un peu pauvre. Si je galère là, je vais pleurer. Alors, attention. Merde. Mon gueule. J'ai pas spécialement galéré. Hein. Là où j'ai galéré, c'était sur le fantôme de merde. Alors, peut-être que le fantôme, c'était pas obligé de le faire tout de suite. Arrête-toi. On va sur le banc quand même. Carte mise à jour. Alors voilà, on a fait toute la partie à gauche. Il y a en bas et à droite. Mais à droite, ça a l'air d'être important, donc on va aller à droite. En tout cas, on est vachement mieux avec une carte, hein, ça c'est clair. Ah bah maintenant on peut y aller en plus, nickel. Oh, Nightmare King. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Donc on verra. L'enceinte du palais. Un corps sans vie en armure blanche. Ça va être encore un boss fight de merde, ça? Mais il fait rien. Il a le truc des rêves, mais il fait rien. Bon bah on peut... ouais d'accord. Dommage hein. Pas les spoils, merci. Merci merci, c'est bien. Si vous arrivez à vous retenir c'est mieux. Station cachée. 300 balles. Allez, on se ruine. Ah oui, c'est vrai qu'il faut taper la cloche. Ah il y a un banc aussi, nice. Est-ce que je veux vraiment me casser? Je vais aller voir ce qu'il y a en bas en fait, moi. Et par contre, j'y suis allé un peu vite et j'ai pas vu. Je suis sûr que j'ai raté plein de trucs dans. Là où il y avait l'eau. Donc, c'est pas clair. Je vais peut-être retourner aussi en haut, du coup, dans les égouts. Enfin, ça ressemble à des égouts. On va aller voir ce qui se trame ici quand même. D'accord. Être supérieur, ces mots sont pour vous seuls. Notre vaisseau pur a fait son ascension. Il ne reste au-delà que le refus et les regrets de sa création. Nous n'entrerons plus dans cet endroit. D'accord, mais c'est quoi? Oui, oui, j'ai compris, mais c'est quoi? Bon, eh bien, c'était rapide comme ça, au moins. On est bloqué également en bas. Il va y avoir des choses à faire plus tard, sans aucun doute. Là, il y avait le cartographe. Tchoum, 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 tchoum. Ça y est, maintenant, j'ai cette chanson dans la tête. Alors, on va retourner vers les eaux usagées.
Là-haut. Et là, j'ai plus la carte, voilà. Et là, j'aimerais bien trouver la carte de la région parce que je suis sûr que j'ai raté plein de trucs. Donc on va retourner vers là où il y avait le boss, c'était là-bas. Le scarabée à la con là. Le bousier. Le bousier qui faisait... Oh! Tiom, 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 tiom. Et là il y a des zones aussi mais... À moins que j'essaie d'arnaquer quelque chose, à mon avis c'est la baise, hein. On peut essayer d'arnaquer, attendez. Mais à mon avis, il faut pas arriver de là, quoi. Donc c'est pas la peine de forcer le passage. Alors. C'était où? Ah oui, mais je sais plus. On a ouvert une zone sur la gauche, là. Ah, c'était là. Voilà. Donc on va retourner là. Les voies d'eau, voilà, on est content. On peut remonter, tout va bien. Et maintenant, on va essayer de trouver la carte. Ah oui, bien joué. Très lucide. Alors, sachant que j'ai débloqué un passage où il y avait de l'eau... Enfin, je pense, hein, que j'ai débloqué un passage où il y avait de l'eau empoisonnée. Mais elle est pas empoisonnée, là, l'eau? C'était là-bas, à droite. Donc on va y retourner. Hop, voilà. Et là, alors, vu que j'ai rincé l'eau, est-ce que ça va ouvrir quelque chose? J'espère, sinon je vais me taper tout le chemin pour rien. Non, ça a l'air sale, hein. Ça a l'air d'être empoisonné quand même. Bah ouais. 100% de l'arnaque ici. Après, on peut tenter ça, à la limite. Ah bah oui, d'accord. Tout simplement. Ok, donc là, on peut avancer là. Là, il y a de quoi se soigner. Mais en vrai, c'est pas super intéressant. C'est quoi ça? Oh! C'est encore un gros, c'est un fougoufiche. C'est un œuf, hein. En général, c'est les œufs qui nous donnent ça. Tout à fait, l'œuf France. J'en ai pas mal, hein. Je sais pas trop encore pour l'instant quoi en faire. Oui, d'accord, bah du coup, je sais pas où je vais. Hein. Là, je vais juste me balader. Récolter un peu d'argent et on avance. Y a rien là. Ok, peut-être à droite. Entrée. Ah mais je vais encore me perdre. On entend quelqu'un? Oh! Pantera. Mais quelle surprise! Il est si rare que je reçois. Ça se dit ça, il est si rare que je reçois des visiteurs? Pas que je reçoive? Cela fait tellement longtemps, peut-être même des siècles. J'espère juste ne pas avoir perdu mes bonnes manières. Il n'y a pas eu trop de fautes de français, il y a eu même zéro faute, j'ai l'impression, depuis le début, donc peut-être que c'est pas une faute. Hein. Vous avez sans doute, sans aucun doute, ressenti mon influence.
Et vous ne vous êtes pas trompé, car je suis très connu parmi l'aristocratie de l'honneste. La noblesse. Eh bien, du moins, je l'étais autrefois, jusqu'à ce que ces idiots me chassent. C'est Emilicia, hein, Emilicia. Avez-vous rencontré mes anciens camarades? Ce sont eux dehors, vides et dépourvus d'intelligence, faisant des va-et-vient. Quant à moi, je suis encore vivante. Je suis encore vivante pour être témoin de leur pathétique disparition. Ah, et du coup, c'était un vaisseau, l'autre truc. En tout cas, j'ai pas la clé ou j'ai pas l'accès, donc... C'est peut-être juste du lore, hein. C'est peut-être juste pour l'histoire. Je suis tellement heureuse, le destin peut être une chose merveilleuse. Ah, c'est tout? T'as pas les trucs à vendre? Oh, je vois la porte, ça fait réagir. Ah non, elle s'en fout. D'accord. Bon, j'ai ouvert une porte, je sais pas ce que c'est. Attendez, on va se protéger. Ah, on est là! Donc là, il y a raccourci. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On a trouvé un raccourci. T'as fait passion, hein. Oh! Elle me fait rire. Elle me fait rire. Donc on a trouvé un raccourci. Mais visiblement, on n'a pas trouvé la carte de la voie d'eau. Là, il y a un truc. Oh, il y a un symbole. Seuls ceux qui ont prouvé leur honneur au combat peuvent pénétrer dans le bosquet de l'au-delà. Dans le bosquet au-delà, pardon. Le défenseur. J'ai pas un symbole de défenseur ou je sais pas quoi. Attendez, j'ai pas eu un truc de défenseur là. C'était là, c'était lui, non? Écu du défenseur. Ah, peut-être qu'il faut que j'équipe ça alors. On verra. C'est pas que pour le swag finalement. Calme-toi. Le combat aérien, c'est pas trop mon truc, mais là ça va. Et sinon, la carte de la zone un jour, peut-être. J'ai envie d'aller toujours en bas, mais... Merde, ça, c'est une arène. Je vais poser ma cigarette. Hop. Sinon, ça va mal se passer. Déjà, ça se passe mal. Mais arrêtez, oh là là. Alors, quand il y a un gros, c'est bien, parce que le gros, il permet de se soigner. Donc, on va pas tuer le gros. Et on va tuer juste l'autre gland, là-haut. Voilà. Et avec le gros, on se met dans un coin, on soigne une fois, on saute, on se met dans l'autre coin. Il est un peu perdu, le gros. Bon, il est quand même relou, mais... Ah bah, on était au bout. C'était bien la peine. Du coup, je sais pas. Ah! Là, par contre, je viens de tomber. Bosquet d'Isma. Examinons. Et bah voilà! Nager dans les eaux acides sans être blessé. Et là, il y a un passage, évidemment. Peut-être une petite chenille qui se cache. Voilà! Évidemment, c'est une chenille. Et on va pouvoir remonter. Ouais, mais il y avait à gauche. Il y avait là à gauche. Oups. C'est rigolo, cela. Et donc, il y avait des zones qu'on n'a pas pu voir à cause de l'acide, donc on va essayer d'en profiter maintenant. Il faut des petits bruits, hein. Ah, mais je suis revenu là. Là, il y avait l'œuf.
Du coup, il n'y avait pas encore un truc en haut, peut-être. Là, il y avait l'histoire de l'écu. Mais l'écu, il y a peut-être autre chose quand même. Ah, d'accord. Saloperie. Le piège. Il y a pas des trucs cachés là-haut. Non, là, c'est juste là où on était. Ouais, c'est pareil, ok. Bah du coup, on peut faire le retour par là-bas, hein, c'est plus rapide. Que se tape que d'aller nager. Pim poum. La zone de l'écu te semble important. Oui, mais il y avait plus rien. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait plus rien. Et donc ici, j'ai pas la carte, hein. Mais maintenant que je peux nager où je veux, eh bien on va profiter de ça. Oh. Oh oh. Alors, on va se cacher. Et là on peut même checker la carte. Alors. On a quoi? Là il y a à droite à l'ascenseur. Tout à gauche. À gauche, ça a l'air de rejoindre, donc on peut aller à gauche peut-être. Ah, on voit les masques. Ah oui, c'est vrai, on voit les masques. Alors attendez, ils sont où? Dans la cité, dans la caverne. Et un tout au bout là-bas, vers le nid profond. Déjà, avec le double saut, est-ce qu'on peut pas aller plus loin dans cette cité? Plus haut? J'avais pas vu ça. Une porte avec une serrure simple. Ah, j'avais pas vu. J'aurais pu ouvrir autre chose, mais visiblement c'est une... C'est juste une source chaude. Genre là-bas, y'a pas un truc. On peut pas rebondir là. Et la station, donc bon, on va profiter de la station pour se balader. C'était où? C'était de ce côté? Non, c'était pas de ce côté. Je suis en train de faire n'importe. Bon, c'est pas grave. Écoutez, tant pis. J'ai envie de vous dire tant pis. Parce que là, il y a des zones qu'on n'a pas vues. Alors, l'ascenseur, des gens. Ça, c'est les teubés. Et on rejoint. D'accord. Donc avant de rejoindre, on va visiter un peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un truc là-haut. Allons voir. Là, c'est fermé. Voilà, d'accord. Là aussi, c'est fermé. C'est fermé partout, hein. Maintenant qu'on a le double saut, on peut quand même se balader, donc c'est cool. Ah, il y a un banc là-bas. Je vais aller au banc. Tant pis si les gens repopent. Comme ça, je vois ce qui se passe sur la carte.